cherchait d'abord un lieu pour se poser, un lieu pour rassembler les artistes avec notre collectif, puisqu'on a un collectif qui est le CIAN, qui est le collectif interartistique du Narbonnais. Donc nous, notre but, c'était d'abord de rassembler tous les artistes et d'avoir un lieu pour les accueillir. Le lieu étant là, on s'est permis de proposer des programmations avec les artistes du Narbonnais. Donc c'est un appel aux jeunes artistes et à tous ceux qui souhaitent venir se produire au Café de la Poste. Voilà. Exactement. Ce soir au Café de la Poste, c'est une soirée un peu particulière. C'est à la fois cinéma et un petit peu gastronomie, que ça tient un peu de l'activité du café également. Alors ce soir, ce qu'il y a de particulier, c'est que Marc Desottes, qui est un photographe, il a eu l'idée de faire des photos de caves coopératives de l'Hérault. Donc c'est à la fois deux hommes qui se rencontrent, mais ce sont les caves d'hier et les caves d'aujourd'hui, puisque le film de Stéphane Abrazi, qui est voulu. Un film sur les caves, la cave qui a précédé la dernière cave de Le Cap, voilà. Relativement moderne. Ce qui m'a donné l'idée de faire ce travail, mais ça a commencé il y a une dizaine d'années déjà de ça, c'est parce que les caves coopératives du Languedoc, donc des quatre départements viticoles du Languedoc, ont des architectures particulières. Et pour moi, c'est la seule architecture typique industrielle du Languedoc. Et cette architecture, malheureusement, depuis quand même 10-15 ans, elle est en déshérence, on va dire. Il y a beaucoup de coopératives qui ont fermé, qui ont été démolies. Dans certaines coopératives, on a vraiment, surtout quand elles sont fermées, je veux dire, il y a un côté comme ça qui est on a vraiment l'impression d'être dans une cathédrale, vous voyez. Parce que des fois, elles sont fermées depuis plusieurs années, mais il y a encore dans les fonds de cuve, il y a encore du liquide, du vin. Hein. Oui. Et puis on entend les plics-plics, vous voyez, on entend les petits bruits comme ça. Des fois, il y a un gardien du temple, j'ai envie de dire, qui est là pour gérer la fermeture de la coopérative. On entend les bruits de pas, mais on n'en voit personne. Finalement, ce sont des lieux qui ont une âme. Ah, c'est des lieux qui ont complètement une âme. Et donc, ils sont peut-être un peu hantés. C'est des lieux qui ont complètement une âme. Hantés, ça, je ne sais pas, mais oui. Et puis, je veux dire, on est entre Bacchus et Dionysos, hein, entre les Latins et les Grecs. Voilà. J'ai trouvé intéressant d'associer le reportage de Stéphane avec cette expo. Il finira par goûter le vin le 4, mais ça ce sera après. J'ai fait les vendanges en 1939. J'avais 13 ans. Tous les hommes de la famille étaient mobilisés. Voilà, Madame Jousson, vous avez compris, c'est un peu c'est une des mémoires de... Quand les vignerons ont vu la première fois le film, ils ont fait une standing ovation. Alors je ne vous dis pas ça pour me la raconter crânée, c'est que ça m'a touché parce que s'ils se sont levés, et je vous avoue que j'en doutais, parce que c'est que je crois qu'ils se sont reconnus. C'est le résultat d'une démarche de coopération, de collaboration de trois quarts de siècle. De viticulteurs. C'est à la fois un lieu païen et un lieu sacré. Oui, c'est un lieu très fort qui matérialise une communauté humaine et qui matérialise, je pense aussi, une sorte de civilisation, ce qu'on a appelé civilisation de la vigne. Dans la cave que l'on nommait familièrement Copé, les assemblées générales fournissaient l'occasion de pratiquer une forme de démocratie directe. Les décisions importantes étaient prises à la majorité. Chaque adhérent, petit ou gros propriétaire, disposait de la même voix. Les votes étaient préparés des semaines auparavant et commentés les jours suivants dans des réunions informelles de quartier à l'ombre des murs, des tonnelles. Encore, c'est une excellente idée d'avoir voulu associer et mettre en évidence tout ce que l'art avait apporté à la viticulture, à la vigne, et ce que la vigne en même temps avait apporté à l'art. Et je voudrais simplement vous féliciter de cette initiative. Le cinéma avec des...